Bonjour mes amis, JP, bah oui, encore, vous avez vu, là je suis à une vidéo par jour, là on va dire que j'ai mis à profit mes vacances, voilà, donc c'est formidable, par contre, faut pas vous habituer quand même trop à une vidéo par jour, hein, mes amis, je vous le dis tout de suite, hein, parce que bah, dès qu'on reprend le taf, la vie familiale et compagnie, machin, voilà, si j'arrive déjà à vous faire une vidéo semaine, c'est déjà pas mal, voilà, mais... Quand j'ai la possibilité, quand j'ai plus de temps pour organiser tout ça, parce que vous savez, quand on fait une vidéo, bon, les miennes elles sont relativement très simples, mais cependant, il y a un minimum de montage derrière, hein, voyez-vous, parce que là, quand je prends la vidéo, quand je prends la vidéo, peut-être que je vous mettrai ça en bonus à la fin, voilà, il faut tout installer, il faut couper le début, là, et vous dire bonjour, voilà. Ouais, donc, il y a un petit travail de montage à faire quand même, et puis voilà. Bon, bref. Alors, pourquoi je rallume déjà la cam? Parce que là, je vous ai présenté. Là, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, lundi, je vous ai fait le premier jus, c'est-à-dire le Candy Mango, que j'ai publié, je crois, le mardi. Le mardi, j'ai fait la vidéo donc du Freezeberries, ok, qui est donc tombée aujourd'hui, que j'ai publié aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et je vous tourne donc maintenant le troisième jus, le rigolo, le citrus bonus, assez curieux ce nom-là, parce que voilà, bon, alors comme pour le jus précédent, j'ai pris la peine d'aller voir la description de celui-ci. Je pense que j'aurais même pas besoin de vous mettre une petite incrustation. Ici, je pense que vous allez voir la jaquette. Voilà, mes amis. Donc, on est toujours sur un jus à moins de 5 balles. Par contre, méfiez-vous, hein, parce que j'ai encore vu là un shop en ligne afficher 18 balles le jus. Hein. Hein, alors, googlisez bien, vous tapez rigolo, citrus, bonus. Vous devrez normalement tomber sur les sites, voilà. Vous cliquez, puis vous choisissez et vous le prenez uniquement quand il est à 5 balles. Voilà, mes amis, en ce moment il y a une promo. Et l'abonné qui m'a conseillé ces jus m'a dit qu'il y en avait donc un quatrième qu'ils avaient remis à la vente. J'ai pas été voir, possible que je le recommande. Par contre, bon, payer des frais de port pour un jus, bon, on verra. Voilà. Donc, bah alors, comme vous l'avez bien compris, alors, on est sur la compagnie des vapes, hein, je crois. Elles sont mes lunettes. Je ne sais plus où j'ai foutu mes lunettes. Elles sont là-bas. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire du hors-champ pour aller chercher mes lunettes. Donc, on est sur la compagnie de la vape, hein, je crois, de mémoire. Donc, c'est eux qui fabriquent le jus. Je vais essayer, mais c'est pas facile. Ouais. La compagnie de la vape. Alors, on est d'accord que c'est eux qui fabriquent le jus de la gamme rigolo. Et dans cette gamme, là, je vous fais le 3 sur 3 qui est le citrus bonus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai vu 2-3 descriptions différentes par rapport à plusieurs shops online pour voir un peu qu'est-ce qui ressortait en général. Donc, on est sur un fruit agrume. Alors, agrumes au sens large du terme, de l'agrume, souligné avec une prédominance de citron et pamplemousse. Voilà. Peut-être ce qui expliquerait qu'ils l'ont appelé le citrus bonus. Alors, bonus, à mon avis, on doit être vraiment sur du citron. Je pense qu'ils ont appelé bonus, c'est-à-dire qu'avec, il y a des arômes complémentaires, évidemment, mais on n'est que sur de l'agrume. Donc, je viens de refaire mon compton il y a 10 minutes de cela, donc j'ai pris quelques barres. Et il faut pas longtemps pour faire des premières impressions. Et ben là, je vais vous livrer ce que je ressens par rapport à celui-là. Allez, on y va, let's go. Alors, tout de suite, Détroit, c'est celui-là que je préfère. Alors, déjà, il faut que vous sachiez que moi, j'adore manger des fruits, mais des fruits, oui, mais je suis un pro agrume. Voilà. Pamplemousse, orange, citron, tout ça, je suis un pro agrume. Je mange plusieurs agrumes par jour. Là, je suis un peu désorienté en vacances parce qu'on a un rythme qui est un peu différent en vacances. Mais quand la vie reprend son cours avec le boulot, il n'y a pas un repas sans agrumes.
Voilà, un gros pamplemousse, voilà, que je me tape. Le repas du midi, souvent, c'est deux oranges, un pamplemousse, voyez. Et puis le soir, je reprends un pamplemousse, voilà. Enfin, j'adore les agrumes, hein, voilà. Je vais lui remettre une petite larmichette. Je ne sais plus du tout où j'en suis par rapport à ça. Tout est neuf, le coton est neuf, forcément, on est d'accord. Pof! Lui, il va falloir que sur le V3, là, mon Didrabit, là, il est vachement... La cloche est dure à mettre et... il va peut-être falloir que je rechange les joints, j'en sais rien. Bon, on va voir ça. Bref, on s'en fout. Allez, c'est parti, mes premières impressions. Celui-là, s'il est encore en promo, je vais repasser commande. Celui-là, ouais. Alors, plusieurs agrumes. Ah ouais, putain. Alors moi, c'est par rapport à mes goûts. Hein. Attention, si vous vous goûtez, peut-être que vous n'allez pas trop aimer. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que je lis dans la description, à savoir un côté hyper rafraîchissant. Non, c'est pas vrai. Oui, il est frais, donc ça donne l'impression de manger cette salade d'agrumes un peu fraîche. Prédominant, évidemment, ouais, il y a du citron, c'est vrai, mais pas que. Et moi qui adore le pamplemousse, j'ai quand même l'impression de ressentir effectivement un fond de pamplemousse derrière. Mais alors, pas le pamplemousse amer, non. Il y a un petit accompagnement de pamplemousse. Je détecte pas franchement de l'orange dedans. On a quoi d'autre en agrumes ben, je sais pas, là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, je trouve pas d'autres agrumes. Bref, pamplemousse, citron, orange, clémentine, mandarine, voilà, on a tout ça en agrumes. Alors, il y a du citron, mais pas du tout piquant, ok, c'est pas un citron qui... Vous voyez, on a un petit citron. Ça me fait penser le citron, enfin, ce jus me fait penser, mais alors, je sais même pas si ça existe encore. On achetait, il y avait des bonbons, alors peut-être au détail, je sais pas, mais ça, je vous dis ça, il y a... Ah, putain, là, je vais me faire vieillir, mes amis, oh la gueule, il y a 30 ans. Ben oui, j'y prends rien, j'ai l'âge que j'ai. Il y a une trentaine d'années, j'achetais, c'était des bonbons en forme de citron. Et quand on le croquait dedans, il y avait une poudre qu'on mangeait. Je me demande d'ailleurs si ça finissait pas en chewing-gum, cette histoire. Mais ça y ressemble étroitement, mais en moins piquant. Alors là, ça va pas du tout vous parler. Je vais essayer de voir sur Internet si je peux retrouver une photo de ça. Je sais pas comment je vais l'amener sur Google, mais bon, on ne sait jamais. Ouais. Citron, pamplemousse, ils sont présents. Mariage, pas d'acidité, pas d'amertume côté pamplemousse. Sucré, mais vraiment super, nickel. Comme, vraiment, voilà. Chimique, curseur au milieu. Voilà, curseur au milieu. Bon, bah celui-là, il va être vite liquidé, c'est clair. Hein. Hein, le rigolo citrus bonus, là, il va vite être liquidé, c'est clair. Moi, c'est vraiment... voilà, alors, je vais essayer de conclure, parce que c'est pas évident, hein, en vidéo, de vous donner vraiment les impressions de ce qu'on nous ressent, en sachant qu'en plus, on est tous différents, on a une façon d'apprécier des jus. Pour le même jus, il y a autant de palettes différentes, et c'est jamais évident, hein, voilà. Alors, j'oriente toujours mes vidéos sur ce que je ressens, moi. Voilà. Mais par contre, si j'avais... alors, on va conclure sur vraiment... j'essaie vraiment de faire une conclusion sur à définir les arômes de jus. Alors, le citron, vraiment léger, il est là, hein, léger, le pamplemousse, il est là, et le pamplemousse est derrière. Ouais, mariage, sucré comme il faut. Justement, j'aime quand il y a un peu de sucre, donc c'est pas mal. Aspect chimique, de 0 à 10, 10 étant très chimique, 5. Écoutez, voilà, on est toujours sur des jus. Je sais pas si je vous l'ai dit à travers de toutes les revues que je vous ai fait sur le rigolo. On est sur du 50-50, voilà. Donc pour ma part, évidemment, nicotine et AK Booster à 3,33, je crois, donc de nicotine. Le 8 engorge, pour un booster.
En inhalation directe, super. J'ai pas de pincement là, j'ai pas quelque chose qui me dérange, mais j'ai assez pour prendre une barre et être rassasié et arrêter de la prendre en sentant cette sensation de hit. Voilà. Par contre, le hit est léger. Un booster dedans, le hit est léger, mais présent, donc raisonnable, très bien, génial. Voilà. Bah écoutez, moi c'est waouh. Bah, le 3 sur 3, le citrus bonus, moi c'est sûr que je préfère. Et bizarrement, forcément, moi qui adore les agrumes, on est dessus. Voilà, voilà, super, super génial. Celui-là, il est bien et peut-être repasser commande. Du coup, si je repasse commande sur celui-ci, je prendrai peut-être dans le panier le quatrième que m'a vivement conseillé mon abonné. Voilà. Bah écoutez, voilà, une petite vidéo courte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à vous dire. J'ai commencé à tester pour le concours à venir. Là, on est mercredi, jeudi, donc demain, de toute façon, je vais sur Paris raccompagner ma belle-sœur à l'aéroport pour son retour au Vietnam. Donc, il n'y aura rien demain, effectivement, j'attaquerai vendredi. Par contre, à vendredi, voilà, on arrête les comptes. J'ai trouvé une solution d'un tirage en ligne. Je vais m'aider de plusieurs outils. Premier outil, ça sera un outil. Donc, c'est important de mettre le mot « participe » en commentaire pour le jeu, pour le petit jeu que j'organise. Parce que je vais mettre le lien de ma vidéo, le mot-clé « participe » et il va me ressortir tous les abonnés qui ont participé à ce petit concours. Et puis, j'ai trouvé un logiciel de capture d'écran, voilà. Enfin bon, c'est pas mon premier concours, hein, mes amis, vous savez bien, voilà. Donc, très important de mettre le mot « participe » dans le commentaire, hein, voilà, petite piqûre de rappel. Bon, bah écoutez, voilà, je ferai ça en live. Je vous réexpliquerai ça le jour de la vidéo du tirage au sort. À savoir, je sais que vous êtes tous formidable et honnête à 99,99%. Mais malheureusement, dans les 0,01%, souvent, je faisais... Alors ça, c'est pour l'avoir vécu. Hein. Quand je faisais la vidéo concours, il y avait un nom qui s'affiche et bizarrement, j'avais 8 personnes qui m'envoyaient par mail qui se disaient être la personne du pseudo tiré au sort. Pas facile de trouver quel était le bon. D'accord ? Donc maintenant, en fait, je fais ma vidéo. Je contacte le gagnant avant de publier la vidéo concours, résultat concours. Donc, lui sait qu'il a gagné, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore vu la vidéo. Et une fois que j'ai pris contact avec lui, je mets la vidéo en ligne. Et comme ça, il ne peut, peut pas y avoir de supercherie puisqu'il n'y a que moi qui sais qui a gagné. C'est moi qui me rapproche du pseudo de l'abonné qui a gagné. Vous avez vu, malin le gars, il a fallu que je cherche la solution. Voilà. Mais bon, malheureusement, je sais que vous êtes tous super, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, dans cette jungle, il reste toujours un infime pourcentage de gens qui veulent profiter des concours sans avoir participé, en se proclamant être titulaire du pseudo qui a gagné pour que je fasse l'envoi du colis. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux envoyer le colis que vraiment à celui-là qui a gagné ce petit jeu. Voilà. Bon, sur cette conclusion, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Ça dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Puis maintenant, là, franchement, maintenant, prochaine vidéo qui sera publiée, ça sera le résultat du concours. Allez, ciao !